La
L'article 2, c'est d'imposer un quota de mètres cubes, de mètres carrés de végétation par construction. Voilà ce qui permettrait un environnement avec des écosystèmes rares qui pourraient réapparaître, et conserver de nouvelles espèces. Et l'article 3, c'est un peu plus compliqué, je pense, à mettre en place, surtout en ce moment. C'est une transition énergétique sur le niveau du nucléaire, de l'uranium au thorium. Je vous expliquerai un peu plus. Intéressez-moi vraiment vous présenter votre projet de loi visant à réduire le gaspillage alimentaire dans les établissements scolaires français. Le gaspillage, mesdames et messieurs, nous avons donc ici le vif de cette question. Voulez-vous savoir où il en est, plus savoir jusqu'où il peut aller? L'empreinte de carbone liée au gaspillage alimentaire est estimée à 3,3 milliards de tonnes par an, ce qui participe considérablement au réchauffement climatique. De même, 1,4 milliard de par de terre, soit 28%. Thank you.